Bienvenue, mes amis, au message final de la série tripartite sur le mariage à la façon de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul parle beaucoup dans toutes ses épîtres de la conversation. Vous voyez, on parle ou bien avec nous-mêmes ou avec les autres, alors le dialogue est très important. Et le dialogue est aussi important dans le mariage. Alors restez à l'écoute. Au fil des années, je suis vraiment arrivé à comprendre et piger la vérité de la déclaration que les opposés s'attirent. Peut-être qu'il n'y a pas de plus grande manifestation de cette vérité dans les couples mariés que dans le domaine de la communication. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce que j'appelle la conversation ou le dialogue dans le mariage. Laissez-moi vous dire pourquoi je n'aime pas le mot « communication ». C'est une bizarrerie personnelle de ma part. Je n'aime pas utiliser le mot « communication » simplement parce qu'il est trop utilisé. Vous savez ce que je veux dire ? C'est une phrase fourre-tout maintenant, parce que le mot lui-même indique parfois que je donne des informations à l'autre personne qui les reçoit. Et c'est pourquoi je préfère le mot « conversation » ou « dialogue ». Mais si vous regardez de près tout mariage béni, vous verrez que le mari et la femme sont capables de converser l'un avec l'autre, même parfois sans mots. Cette conversation peut varier d'un couple à l'autre, donc il n'y a pas de modèle parfait ici. Cette conversation prend différentes formes, mais je tiens aussi à souligner ce que j'ai dit dans les deux derniers messages et je tiens à le souligner pour la troisième fois. Je ne veux pas de fausse culpabilité ou que quelqu'un se mette à dire « Qu'en est-il de ceci ou de cela ?» J'ai dit et je répète que lorsque le péché d'adultère ou d'abus est continu, sans arrêt, sans repentance, sans fruit de la repentance, c'est-à-dire, selon la parole de Dieu, c'est un tueur de mariage. Et donc, je veux m'assurer que vous me comprenez et que vous m'avez bien entendu. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur la conversation parce que cela peut être un sauveur de mariage. J'ai dit que ça pourrait l'être. Est-ce que vous avez compris? Ça pourrait l'être. Nous voulons partager avec vous trois choses que nous avons découvertes dans nos vies qui peuvent être des tueuses de conversation, des destructrices de conversation. Et avoir un impact sur le pouvoir de la conversation qui doit avoir lieu dans un mariage. Et elles sont toutes très importantes. C'est le calendrier, les enfants et les conflits. Le calendrier, les enfants et les conflits. Je vais parler du calendrier et un peu des enfants, mais ensuite, je vais inviter quelqu'un qui a fait un merveilleux travail avec les enfants pour partager. Qu'est-ce que je veux dire par calendrier? S'il vous plaît, écoutez attentivement. Les jeunes parents, je veux vous dire que Dieu est mon témoin et vous m'avez probablement entendu dire cela avant. Je suis émerveillé, je suis impressionné par la façon dont les jeunes couples sont super occupés. Je ne sais pas comment ils s'en sortent honnêtement. Je veux dire que leur emploi du temps est axé sur les activités et ils courent de ceci à cela et d'autres choses. Et si la mère travaille à l'extérieur de la maison, vous ajoutez de longues heures de travail, des heures de course, conduire les enfants d'une activité à l'autre, conduire les enfants d'un sport à l'autre. Et tout semble être sans fin. Comme je regarde, je suis étonné de voir comment ils s'en sortent. Il y en a qui ont confondu l'occupation et les activités avec le bonheur. La vérité est qu'il y a beaucoup de couples qui se sont trouvés tellement vidés d'énergie, ils sont tellement épuisés émotionnellement et ils ne prennent jamais le temps pour eux-mêmes, juste pour eux deux. Ils ne prennent jamais de temps juste de conversation entre eux. Ils ne se réservent pas le temps
de parler et d'écouter et de réagir et d'interagir l'un avec l'autre. Ils ne mettent jamais de temps de côté pour échanger entre eux certaines pensées et, oui, leurs sentiments. Vous voyez, je ne suis pas contre les sentiments. Les sentiments sont importants. Je sais que je surprends certains d'entre vous. Ils ne mettent jamais de temps de côté sans hâte pour se concentrer l'un sur l'autre. Et le fait est, sans cette conversation saine, et là aussi, je ne veux pas dire seulement avec des mots, mais dans chacun de ces aspects, il va y avoir des problèmes. Je vais y revenir à la fin du message. Donc le calendrier, s'il n'est pas géré correctement, comme il faut, s'il n'est pas bien planifié avec un temps au milieu pour converser l'un avec l'autre seul, cela pose un problème. Deuxièmement, les enfants, en particulier les petits-enfants. Ce n'est pas un secret ou une surprise pour quiconque me connaît. J'aime les enfants. Mais il n'y a aucun doute que les enfants peuvent être l'un des résultats les plus importants de l'intimité dans le mariage. Je veux souligner cela. Mais la vérité est, les petits-enfants peuvent être, comme je l'ai dit, peuvent être l'un des plus grands obstacles dans l'intimité et la conversation dans le mariage. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, sur ce point. Les enfants sont très innocents et ils ne connaissent pas leur rôle dans la famille. Et par nature, les enfants pensent que le monde tourne autour d'eux. En fait, ils pensent que le monde de leurs parents tourne autour d'eux. Et ils doivent être entraînés pour savoir que le conjoint est le numéro un dans la vie de l'autre, pas les enfants. Mais il y a plus. La sécurité dans la vie des enfants découle du fait que papa est la priorité numéro un de maman et que maman est la priorité numéro un de papa. Mais quand les parents permettent à leurs enfants d'être les décideurs à la maison, quand ils grandissent en ne comprenant pas les limites. Peut-être que c'est pour cela qu'Elisabeth et moi, nous nous concentrions sur cela plus que les autres, cette question des enfants aujourd'hui, parce que, comme beaucoup de jeunes couples, nous avons fait l'erreur, comme je l'ai dit, de placer nos enfants en premier jusqu'à ce que Dieu ouvre si gracieusement les yeux à temps pour prendre des mesures correctives. J'entends souvent les parents dire « Nous voulons faire ce que nos enfants veulent faire. Nous voulons aller où nos enfants veulent aller. Nous voulons faire plaisir à nos enfants. » Et pour être honnête, maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je grimace, je le fais vraiment. Et dans une minute, Elisabeth viendra et partagera son témoignage sur ce sujet, mais je veux partager le mien d'abord, et c'est une très petite partie. Quand nos enfants étaient très jeunes, comme beaucoup de jeunes parents, nous voulions être de bons parents. Écoutez, je vous vois les gars, je veux dire, je sais, chacun de vous, vous voulez être de bons parents. C'est merveilleux. Et nous avons commencé à concentrer toute notre attention, non pas l'un sur l'autre, mais nous l'avons placé tout carrément sur nos enfants. Maintenant, ne me méprenez pas, s'il vous plaît, ne me méprenez pas. Prendre très bien soin des enfants est d'une importance vitale. Je ne minimise pas cela du tout. Maintenant, la question est, comment créez-vous un équilibre? Comment créez-vous un équilibre? Je n'ai pas beaucoup d'équilibre. C'est la vérité, je lutte pour l'équilibre. Mais celui qui est vraiment une personne équilibrée, la personne la plus équilibrée que je connaisse, va venir. Et encore une fois, je veux juste la remercier de m'avoir laissé faire ça. Ce n'est pas facile pour elle et elle a accepté de le faire. Merci, ma chérie. Nous avions en fait 3 enfants âgés de 4 à 7 ans. Et nous avions un emploi du temps vraiment très chargé. Non seulement cela, mais Michael dirigeait un ministère international qui demandait 4
voyage à l'étranger par an. Et chaque voyage durait au moins 2 semaines. Et ça arrivait souvent qu'un des 3 enfants soit malade. Et vous savez, la pression semblait être sur moi et sur nous tous. Et le proverbe dit que la roue qui grince est celle qui attire l'attention. Et pour moi, c'était mes enfants. Je ne veux pas dire par là qu'ils demandaient de l'attention, parce qu'en réalité, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient de super enfants. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'ils étaient devenus mon objectif. Il y avait aussi l'interruption régulière de la transition. Vous savez, quand Michael partait, je prenais en fait le rôle de leader. Je prenais le contrôle de tous les aspects de la famille. Et puis, bien sûr, quand il revenait, j'étais très soulagée de lui donner les rênes. Mais ça a créé, en quelque sorte, un peu de tension. Tout cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça s'accumulait progressivement au fil des ans. Nous étions en fait, si vous y pensez, sur 2 voies différentes. Et nous avions perdu l'objectif de nous servir l'un l'autre dans le mariage, d'être altruiste. Et vous savez, ce n'était pas bien du tout. Et ce n'est que lorsque nous avons atteint un point de crise dans notre mariage que le Seigneur nous a gracieusement révélé à tous deux que nous n'avions pas réussi à nous édifier l'un l'autre dans la communication. Et c'était évident, certainement pour moi, et je pense pour nous deux, que nous devions prendre des mesures radicales. Donc, pour moi, j'étais convaincue qu'il ne s'agissait pas seulement de dire « je suis désolée », mais c'est ce que la Bible dit sur la repentance. Et quand vous vous repentez, vous faites une volte-face. Donc, nous avons décidé, dans nos cœurs, avec la force du Seigneur, que nous allions mettre du temps de côté chaque semaine pour nous édifier l'un l'autre. C'est le problème, le temps pour édifier notre relation. Et puis, 2 ou 3 fois durant l'année, nous voyagions. C'est si facile de tomber dans ce mode de vie en tant que mère parce qu'évidemment, vous êtes responsable de tous les besoins de base de l'éducation. Le problème est quand vous placez ceci au-dessus de ce qui devrait vraiment être la première priorité, et cela est de chercher ce qui est le mieux pour votre compagnon. Ma prière pour vous tous est que le Saint-Esprit vous révèle les domaines de votre relation qui doivent être changés, qui doivent être restaurés. Que les petites idoles que vous avez peut-être créées soient complètement détruites. Que vous ayez réellement l'intention de prendre le temps de travailler, vous savez, sur cette relation avec votre compagnon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Nous avons vu plus tard, comme nous aidions d'autres jeunes couples, que lorsque le dernier enfant quitte la maison, le mari et la femme découvrent qu'ils n'ont rien en commun.
Les enfants étaient le seul sujet de leur conversation. Les enfants étaient le seul sujet de leur planification. Les enfants étaient le seul objet de leur temps, de leur énergie et de leurs efforts. Et alors, quand le nid se vide un jour, ils découvrent qu'ils n'ont rien à se dire. Je prie Dieu que cela change. Je l'ai vu encore et encore et encore, et c'est pourquoi Elisabeth a dit que lorsque nous parlons aux jeunes mamans et papas, nous leur demandons fortement de s'éloigner de leurs enfants pour un temps seul, sans les enfants. Et même lorsque vous êtes absent, la tentation est parfois que la conversation tend à se rapporter aux enfants. Mais alors vous devez vraiment arrêter et changer intentionnellement le sujet. Développer un intérêt commun entre vous deux. Le calendrier, les enfants et enfin le conflit. Plus précisément, la peur du conflit. Écoutez attentivement, la peur du conflit. L'une des grandes illusions dit que les bons mariages n'ont aucun conflit ou que les conflits sont mauvais pour le mariage. Permettez-moi de vous rappeler ce que j'ai dit dans le premier message, que chez nous, nous sommes trop spirituels pour parler de conflits ou de disputes. Alors nous appelons cela des discussions vigoureuses. Mais écoutez-moi bien sur ce point. Le conflit est neutre. Dites cela avec moi. Le conflit, si vous gérez les conflits avec sagesse, ils mèneront à une plus grande intimité. Si les conflits sont traités de façon insensée, ils conduiront à un isolement supplémentaire. Et je peux vous dire avec un certain degré de certitude que si un mari et une femme ne passent jamais par aucun conflit, c'est probable qu'ils ne conversent pas entre eux. Voici mon conseil personnel pour ce que cela vaut. Si vous faites du conflit votre allié, vous apprendrez tous les deux à grandir à pas de géant. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans la plupart des situations où vous évitez des conflits, vous trouverez que l'un ou les deux mettent leurs émotions et leurs sentiments dans cet endroit profond qui est en chacun de nous, et vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que ce n'est pas très sain. Alors, quelle est la solution ? Vous apprenez comment votre femme ou votre mari pense. Apprenez comment votre conjoint pense. Nous sommes tous formés différemment. Souvent, vous allez constater que l'un des conjoints, surtout les hommes, sont des résolveurs de problèmes. Et les femmes sont des artisanes de la paix. Voici ce que les deux doivent faire à propos des conflits. Trois choses encore. Tout d'abord, s'accorder pour identifier le conflit en soi. Les points de conflit. Identifiez-les. Vous pouvez les écrire si vous le souhaitez. Deuxièmement, discutez ensemble, soyez d'accord sur comment vous devriez traiter ces points. Et puis développez une procédure. Cela ressemble à une entreprise, mais c'est vraiment beaucoup plus simple que cela. Développez une procédure sur comment vous allez faire cela. Ensuite, soyez absolument déterminé de faire face à ces conflits dès qu'ils surviennent. Mais avant de faire toutes ces trois choses, si vous n'avez pas déjà appris à prier ensemble, tenez-vous les mains et commencez à prier ensemble. C'est l'intimité la plus spirituelle que je puisse recommander, de prier ensemble. Invitez Dieu dans la situation. Priez, confessez vos péchés, pas le péché de votre conjoint. Vous me suivez ? D'accord ? Priez en abandonnant votre programme et pas « Seigneur, aide mon époux à abandonner son programme ». Non, 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 le tien. Priez pour que Dieu vous révèle vos propres insuffisances, vos propres faiblesses, vos propres échecs. Puis priez pour que l'amour de Dieu soit déversé dans votre cœur envers votre conjoint. En conclusion, je suis toujours conscient du fait que quelqu'un ici pourrait dire « Michael, dans notre mariage, la conversation n'existe même pas » ou «
Dans notre mariage, notre conversation s'est arrêtée il y a longtemps. Où que vous soyez, vous pouvez relancer la conversation dans le mariage. Amen. Vous pouvez recommencer à tout moment. Pensez à ces moments romantiques lorsque vous sortiez ensemble. Ça aide. Pensez aux moments tendres que vous avez eus dans les premiers jours du mariage. Ensuite, pensez à ces mots bizarres. Des mots bizarres tels que dire à votre conjoint qu'il ou elle est le cadeau de Dieu pour vous. Dites à votre conjoint combien vous les aimez vraiment. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a des centaines de façons de converser encore plus que verbalement. Un sourire. Peignez-le quand même. Ça pourrait vous casser les joues. Mais faites-le. Le regard adorant. Servir le besoin de votre conjoint. Priez quelque chose d'important pour eux, pas pour vous. Priez quelque chose d'important pour lui ou elle. Essayez de découvrir la langue d'amour de votre conjoint et parlez cette langue, pas la vôtre. Nous aimons tous parler notre langue. Je sais qu'ayant appris plusieurs langues, c'est difficile de s'exercer à parler une autre langue. Mais vous pouvez le faire avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Après tout, il est celui qui a parlé en notre langue d'amour quand il a quitté les gloires du ciel et est venu et s'est identifié avec nous. Il s'est identifié avec notre désir le plus profond, voyant que notre besoin le plus profond et notre désir le plus profond est de savoir que nous sommes pardonnés, guéris et restaurés. Il a fait exactement cela sur la croix. Chaque fois que vous sentez que vous êtes en colère, rejeté ou solitaire, vous entendrez dans sa parole, par sa parole qui a été rédigée par son esprit, qui vous dirait et que vous l'entendriez encore et encore dire « Tu es aimé ! Je t'aime, sache que je ne te rejetterai jamais. Je suis toujours avec toi. Tu n'es jamais seul avec moi. Je t'aime, je peux te rencontrer à chaque moment de ton besoin. Mes bras éternels te soutiennent. Mes plans pour toi sont pour le bien et non le mal. Tu y es gravé dans la paume de mes mains. Tu y es porté sur mes épaules et celui qui te touche, touche la prunelle de mes yeux. » C'est notre langue. Il a parlé notre langue et il a dit tout cela quand il a été cloué sur cette croix et ensuite ressuscité le troisième jour. Maintenant, imitez-le dans votre relation.